Là, je suis là pour soutenir notre ami et confrère docteur Tapti Kamel suite à une agression qui a été très très sauvage de la part d'individus, de voyous, disons de voyous, de psychopathes qui ont attaqué cette pharmacie, pourtant qui est bien située, je veux dire qu'il n'est pas dans des coins et recoins, donc ça peut arriver à n'importe qui. Et quelques employés, quelques assistants ont été grièvement blessés. Donc nous sommes là pour soutenir l'équipe, justement, l'équipe de cette pharmacie. De toutes les manières, ce genre de réaction arrive à n'importe quel moment de la journée, même dans la matinée, quoi, en plein jour. C'est des personnes qui sont en manque, j'utilise carrément leur thème, qui sont en manque de certains produits et qui font n'importe quoi pour avoir justement leurs produits. Voilà. Et pourtant, nous sommes régis par un registre, etc. Et ça passe même par le commissariat et... Mais là, quand leur dose leur manque, ils font n'importe quoi. C'est malheureux pour nous et pour eux aussi, hein, finalement. Nous sommes régulièrement attaqués par ce genre de personnes. Je dirais même pratiquement tous les jours et toutes les pharmacies subissent ce genre d'agression, surtout verbale. En général, ça commence par des mots verbales, mais après c'est de la méchanceté, bon, c'est des insultes, etc. Et on ne peut rien faire, on est vraiment impuissant devant ces actes-là. Voilà, donc il faudrait que les autorités s'occupent un peu plus de ce volet-là.